Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo un peu spéciale, encore une fois, j'adore. J'avais commandé il y a quelques temps une toile sur Cosmalory, c'est un site que je vous mettrai le lien dans la barre de, dans la description. Et en fait ce qui s'était passé c'est que il me manquait, bon je faisais ma toile, c'était ma première toile que je faisais, enfin une de mes premières parce que la première c'était Action. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je suis arrivée quasiment à la fin. Et là, je me suis aperçue qu'il me manquait une teinte. Il m'en manque pas énorme, mais il m'en manque pour la finir. Donc du coup, j'ai quand même tenté de leur envoyer un petit mail et tout. Ils m'ont dit qu'ils prenaient en charge, évidemment, qu'ils allaient me les renvoyer sans aucun problème. Et pour s'excuser, ils m'ont dit, parce que ça allait mettre énormément de temps. Et du coup, ils m'ont dit de choisir quelque chose dans la boutique. J'ai choisi un petit truc qui me plaisait, qui me tentait parce que je ne l'ai encore jamais vu nulle part. La mode est terminée, mais je l'ai trouvé tellement choupinou que voilà, il est là. Donc, hop, je l'avais préouvert un peu pour vérifier. C'est un hand spinner, voilà. Donc, mais pas n'importe quel hand spinner Mickey Mini. Voilà, avec des lunettes assez rétro, assez sympathique. Bon, la boîte est arrivée un peu défoncée, hein. Dedans vous avez le kit de base, donc vous avez des petits sachets zip, de la colle, le stylet et la petite barquette. Hein. D'ailleurs je vous montrerai au bout d'un moment là, voilà les barquettes à la fin, je les mets dans une boîte comme ceci. Et j'en ai, voilà les stylets sont là, les barquettes en dessous, la colle aussi. Donc voilà, je mets tout là-dedans, je range et puis si un jour je veux m'en débarrasser, je verrai, je le donnerai à quelqu'un et puis voilà. Donc nous avons les petits diamants, donc ce sont de simples petits diamants en cristaux. Hop. Je pense que je vais le faire un petit peu avec vous, comme ça sera mignon. En accéléré je pense, hein, par contre, donc, sinon ça va mettre... Ah j'aime pas ce bruit de plastique, ça va mettre des ans. Alors on a les sachets comme ça et on a trois petits sachets zip. Donc on a celui-là où c'est une teinte de noir, c'est une demi-sphère un peu, c'est pas une demi-sphère parce qu'elle est pas ronde, voilà, mais voilà c'est noir. Là c'est pareil, on a des petits cristaux argentés très jolis, et là, oh c'est des cœurs, c'est des petits cœurs, cherchez la caméra, voilà. Et puis après, ça reste bah, des teintes rouge, noir et argenté. Et la bébête, voilà. Donc, le voilà. Donc, il va être sympa à faire. Rapide, je pense. Quoique, je dis ça, mais on verra. Très épais. Il est très très épais. Donc, pour faire tourner, c'est pratique. Parce que du coup, il est lourd. Il n'est pas des deux côtés, hein. Il y a une protection des deux côtés, mais il n'y a qu'un côté qu'on... Oh, comment ça s'appelle ? Qu'on colle. Et il colle très très bien. Et ben, je vous en prends, on va le faire ensemble. Allez, on se retrouve tout de suite. Alors, on se retrouve, là j'ai été préparer mes petites barquettes. Le 1, le 2, le 3, pas compliqué. Les autres sont sachets zip, donc je les laisse. Et puis voilà. Alors, moi, si certains ont vu déjà mes précédentes vidéos, les plastiques, je ne supporte pas. Mais là, on va essayer de faire en sorte... D'habitude, j'enlève le plastique en entier. Mais là, on va faire doucement. Voilà, on va faire un par un. Alors, attendez, ne quittez pas. Je vais chercher mon cutter. Me revoilà avec la bête. Je l'adore. Oh, ce cutter, franchement, c'est une lame en céramique ou en verre, je sais plus. Parfait pour couper les toiles. Bon, j'ai pas appuyé à mon œil. Ça va couper. Je pense qu'à partir de là, on va mettre en accéléré comme ça. Vous, ça vous fera pas trop long à attendre. Allez, c'est parti! Thank you.
Je suis pas douée moi, hein. Mais en gros, voilà. Ça donne ceci. Je regardais ce côté. Ce côté, ça colle. Ah, on fait normalement double face. Voilà. Donc ça donne ça. On se retrouve tout de suite. Je fais le en dehors de la caméra l'arrière et puis à tout de suite. Et nous revoilà. Ça y est, donc les deux côtés sont bien terminés. Ah, j'adore. Là, je pense faire les côtés argentés avec un feutre. Et donc, je suis pas douée au mois de mes 10 doigts. Voilà. Voilà le résultat. Non, bon, c'est mignon. Après, j'en ferai pas des milliers des cents. Hein. Mais non, c'est mignon. Par contre, la finition, je la ferai. Mais voilà, c'était sympathique, voilà, pas compliqué, un petit truc, ça permet de faire une petite vidéo sympathique, voilà. Puis, ça déstresse, non, je vais le vernir et puis après je pense que je le donnerai à une de mes nièces. Mais ça colle de partout, hein, par contre, hein, je vous le dis, de partout. Voilà, voilà, et ben sur cette... ce petit retournant, je vais vous souhaiter une bonne après-midi et bah, ou une bonne soirée, tout dépend à l'heure que vous regardez cette vidéo. Et puis voilà, bye bye, à la prochaine.